c'est l'endroit où se réunissent les 751 députés européens élus dans toute l'Union européenne, dans les 28 États. C'est un Parlement qui représente les 500 millions de citoyens européens. D'accord, donc justement, on a parlé de l'hémicycle, est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu cet endroit très 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 important ici? Comme tu le vois ici, les députés européens, ils vont pas siéger en fonction de leur État. C'est pas du tout comme une organisation internationale où il va y avoir les Allemands, les Grecs, les Italiens. En fait, ici, on a les groupes politiques. Alors, tu as un petit papier qui est au début de l'hémicycle, qui est là. Le président du Parlement européen est au milieu. Oui. Et puis après, ce sont tous les députés européens par groupe politique. C'est pas un organe qui représente les États, c'est un organe qui représente les citoyens dans différentes tendances politiques. Et quand tu votes aux élections européennes, tu votes pour une tendance, pour un parti, tu ne votes pas pour une nationalité. Évidemment, nous les Français, on va élire 74 députés français. Ici, on débat beaucoup, il y a aussi des votes qui sont organisés. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se passe pour voter? Et d'ailleurs, quelle est la différence entre un vote machine, je crois qu'on en voit ici, et des votes à main levée comme Alors la règle générale, c'est qu'on vote à main levée. Et le président qui est là-bas, il arrive à voir s'il a une majorité dans l'hémicycle ou pas. Quand ce n'est pas très clair, il peut demander à vérifier. À ce moment-là, les députés européens prennent leur carte. Ils la mettent dans le petit boîtier et tu vois, là, ils ont plus, moins et abstention. Oui. Donc, ils peuvent, à ce moment-là, tout s'affiche sur l'écran là-bas et tu as le nombre de gens qui ont voté pour, le nombre de gens qui ont voté contre et les abstentions. Et là, tout est clair. Vous êtes députée européenne. Est-ce que vous pouvez m'expliquer très rapidement le rôle d'un député? Qu'est-ce que vous faites au sein du Parlement? Le rôle du député est un rôle législatif au niveau du Parlement européen. Le député, il fait les directives et les règlements qui vont s'appliquer dans les 28 États membres. Donc, ce sont les lois qui vont s'appliquer, qui vont faire évoluer l'Europe. Alors, un député européen est élu au suffrage universel pour 5 ans. Et vous savez que ce sont tous les citoyens inscrits sur les listes électorales qui peuvent voter. Ce n'est pas des directives et des règlements que nous faisons ici. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous battons pour la démocratie et la liberté, pour plus de démocratie et de liberté. Vous les jeunes, c'est vous nos pays de demain. La recherche et le développement, c'est vous qui allez le faire. La dynamique économique de nos pays, c'est vous. La préservation de la liberté, de la démocratie, c'est vous. Voilà, nous travaillons pour vous. Bonjour Monica Manova, vous êtes interprète. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu où est-ce qu'on se trouve ici? C'est le lieu de travail des interprètes, c'est-à-dire que nous travaillons dans des cabines comme ça, avec des écouteurs et avec un micro. On doit interpréter presque en même temps que les députés, on doit interpréter leur discours et tout ce qu'ils disent. Vous traduisez quelle langue ici au Parlement européen? Je travaille de l'anglais et du français vers le bulgare. D'accord. Et quand il y a un député qui s'exprime en bulgare, par exemple, j'assure ce qu'on appelle le relais. J'interprète les propos bulgares en français et mes collègues dans les autres cabines me prennent en relais. Ça veut dire qu'ils prennent mes propos pour les interpréter dans leur langue respective. C'est un métier passionnant. C'est un métier dans lequel on ne peut jamais tomber dans la routine. Bonjour Pascal Feuillois, vous êtes le chef des huissiers. Est-ce que vous pouvez me dire, vous êtes à la tête d'une équipe de combien d'huissiers? Donc en fait, c'est vrai que je suis le chef des huissiers depuis maintenant 2 ans. On est à la tête d'une équipe de 60 personnes. Votre travail consiste en quoi exactement? En fait, j'aime à dire qu'on est les vitrines du Parlement européen. C'est-à-dire la première personne que vous allez rencontrer lorsque vous venez au Parlement européen et la dernière personne que vous allez voir quand vous quittez le Parlement européen. Donc pour nous, c'est vraiment très important que cet accompagnement se fasse dans les meilleures dispositions possibles. Il faut respecter le protocole. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus?
plus. Mais au niveau du protocole, il faut savoir comment s'adresser à un député. Il faut savoir exactement qu'un député, par exemple, nordique ne va pas réagir comme un député du sud de l'Espagne ou comme un député allemand. Donc on apprend ces petites choses avec le métier. Est-ce que vous vouliez faire ça dès le début ou est-ce que c'est... Non. Vous avez rencontré ce métier par hasard, vous en êtes tombé J'ai rencontré amoureux. Ce métier par hasard, j'en suis tombé amoureux. Donc en fait, j'ai réussi un concours pour travailler à la bibliothèque du Parlement européen. Et en fait, j'ai commencé à découvrir les salles de réunion, j'ai commencé à voir ces gens habillés comme moi en noir, j'ai dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est? Et là, je me suis rendu compte, il y a un protocole, il y a une aide aux députés, il y a rendre service, il y a le plaisir, il y a l'agrément, il y a la politesse, et on se dit, waouh, ça je veux faire. Je vois que vous portez une tenue particulière, dont une sorte de médaille, un collier. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Pourquoi est-ce que vous êtes habillé comme ça? Non, en fait, on appelle ça un frac. Donc le costume que je porte est un frac. Il date de la Révolution française, 1789. Donc, et cette chaîne était aussi existante, sauf la médaille, bien entendu, qui a été adaptée pour la communauté européenne. Oui. Et donc, en fait, les huissiers, à l'époque, portaient cette chaîne. Il y avait des réunions de députés en 1789 dans des chambres, mais il n'y avait pas de porte. Et donc, l'huissier devait décrocher sa chaîne de chaque côté pour la mettre de chaque côté de la porte et montrer qu'on pouvait fermer la porte uniquement avec la chaîne. Voilà. D'accord. Ça, c'est le symbole. Bonjour, c'est Guillaume. Merci de m'accueillir et de répondre à mes questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter en deux, trois mots, très brièvement? Mon travail, il est à la fois d'être législatrice, de créer des lois européennes qui concernent tout le monde, au-delà des Rhône-Alpins ou des Corses ou des gens de PACA, et à la fois de faire ce go-between avec les institutions européennes pour mieux expliquer l'Europe, pour essayer de faire ces passages, ces passerelles de compréhension. Et comment ça se passe, diriger une séance plénière à la place de Martin Schulz? C'est à la fois très impressionnant et en même temps, on est très aidé. Donc, il faut aborder ça tranquillement. Bon, c'est comme une énorme classe, en fait, d'une certaine manière. Mon travail consiste à donner la parole. Donc, c'est faire respecter le débat collectif, les temps de parole. On est aussi appelé à présider des votes. C'est des moments où on est, enfin, en tout cas moi, toujours un peu plus sur le qui-vive. Parce qu'il faut à la fois que je fasse mon travail parlementaire, je vote moi-même, que je surveille comment les votes s'organisent, que je regarde quel est le résultat. Donc il ne faut pas que je me trompe quand je dis ce rapport ou cet amendement est adopté. Il ne faut pas que je me trompe. Je suis intéressée à apprendre, à alimenter mon cerveau avec de nouvelles notions, à rencontrer des gens qui ne font pas exactement la même chose que moi, heureusement, et qui donc ont une autre façon de voir les choses, confronter un point de vue. Oui, ça m'intéresse, le débat politique me passionne, et c'est ça que je trouve dans cette fonction. Si vous deviez, une sorte de top 3 des meilleurs moments que vous avez vécu ici au Parlement. Le top du top, c'est quand nous avons accueilli le pape François au Parlement européen, parce qu'il est venu délivrer ici un véritable message universel. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a été applaudi par tous les rangs de l'hémicycle. Standing ovation. Ce qui m'a vraiment émue et que je n'oublierai jamais, c'était le discours du docteur Denis Mukwege. C'est un gynécologue de renommée internationale. Il a reçu le prix Sakharov en 2014. Il parlait de la violence faite aux femmes et aux petites filles en République démocratique du Congo. Chaque mère violée je l'identifie à ma mère et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Il nous a vraiment beaucoup émus. On avait la gorge nouée, les larmes aux yeux. C'était vraiment un moment que j'oublierai jamais. Alors ce matin, il y a eu un événement un peu particulier. Il y a eu la remise du prix Lux. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Le prix Lux, c'est une compétition entre des films européens pris au sens large, qui sont soumis au vote des parlementaires européens. C'est, je crois, une façon de célébrer l'Europe
autrement que par notre travail au quotidien ou l'aspect législatif de notre fonction. Et je crois que c'est une manière de célébrer la culture. C'est une manière de montrer qu'on peut être sensible au monde qui nous entoure, à la façon qu'ont d'autres types de professions de le traduire. C'est toujours très intéressant de voir cela.